Et bien le bonjour, bonsoir les amis, bienvenue sur Père la Galère Gaming. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On est de retour sur du Xenoblade Chronicle. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé une bonne journée, en tout cas qu'elle soit meilleure que la mienne. Mais ça c'est pas dur les amis, c'est vraiment pas dur. Coucou mon bon Lutson, comment tu vas? T'es en forme? Alors Lutson, on va régler le problème définitivement. On va passer en mode plein écran comme ceci. Je vais, excusez-moi, je tape dans le micro comme une nouille. Je vais mettre le plein écran, je vais me mettre le chat sur le côté. Et puis on va te donner un petit peu de monnaie parce que je te sens un petit peu fébrile. Alors on fait comme ça. Et comme ça ce sera bien, je pense. Alors, non, c'est pas ça, c'est comme ça, pardon. Hop, hop, je vais te donner un petit peu de trucs parce que sinon après, et t'en as plus. Hop, comme ça. Et on va mettre mon bon Lutson comme ceci. Et on va te donner, je sais pas moi, tiens. Voilà. Comme ça, là, je pense que là, ça devrait aller pour toi. T'as de quoi faire. T'as de quoi pouvoir basculer sur des commandes. Encore truqué ce truc là, pourquoi t'as fait combien? Zéro chance de gagner, mais bien sûr que t'as gagné. Regarde, je t'ai filé un petit peu dessous de la chaîne, comme ça au moins t'en auras et tu pourras jouer un petit peu avec les commandes. Je vais vous les remettre, mais de rien, mais ça me fait plaisir, je vais vous les remettre. Les commandes juste en dessous, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée et que vous êtes en pleine forme. On est à Indol les amis, et du coup on va continuer à monter un petit peu en XP, on va continuer surtout, salut mon chaos, à progresser dans l'aventure principale bien sûr, et puis on va faire ça gentiment et tranquillement. En tout cas, alors on doit explorer la ville, ça a été fait, donc du coup maintenant on va se rendre un tout petit peu plus haut et on va continuer. Je pense qu'on va partir directement, et voilà. Le retour de la roue, c'est ça. Ça va? Est-ce que tu es en forme, mon KO? J'aime bien le jeu. Je suis au magasin en ce moment, donc du coup, j'ai un tout petit peu. Et je mets des guillemets. Un tout petit peu le temps de regarder, même quand je travaille, parce que là, pour l'instant, je suis bloqué au magasin, donc ça va. Allez, on va prendre les marches d'escalier, puis on va essayer de continuer l'aventure. Tout du moins. Ouais, mais écoute, c'est par là. Allez, on enclenche la cinématique et c'est go. C'est qu'on est un bon groupe là maintenant. Can I ask you something? Go ahead. Rex is the one who woke up Mithra. And I think he... Et je crois qu'il comprend ce que cela signifie. Et en fait, vous ne faites rien pour tenter de nous arrêter. J'ai été mis au placard, exactement. Non, j'ai un collaborateur qui s'en va et je dois former le suivant, en fait. Tout simplement. Et donc, du coup, je vais passer l'hiver au magasin et ça va m'énerver, mais vraiment. Alors, il y a 500 ans, il est devenu ce grand héros qu'on honore encore aujourd'hui. Mais je ne le connais qu'au travers les légendes. Voir de mes propres yeux ce qu'une lame et un héros peuvent faire, j'avoue que cela m'intrigue. Voilà pourquoi je suis ici. En vérité, vous savez que je ne suis pas Adam. Non, mais vous êtes le pilote de l'Aegis, et si vous tombez sous le contrôle de l'Empire, vous perdrez votre statut de héros. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ceux qui possèdent de grands pouvoirs doivent rester leur propre maître. C'est ce que vous voulez dire? À peu près, vous avez interprété les choses de cette façon. Vous pouvez, pardon. Et la puissance porte-flamme est difficile à suivre. Ouais, j'ai repris le taf. Ouais. Alors, je n'aime pas beaucoup ces sous-entendus. Oui, j'ai repris le taf, Lutson. Ça me fait du bien. Mais j'aurais préféré reprendre les chantiers, voilà, plutôt qu'être coincé au magasin. Ok. Le prétorium intérieur est derrière cette porte. C'est là que vous trouverez l'administration. Ouais, merci, moi aussi. Avec votre permission, je vais vous montrer vos appartements. Mais avec plaisir, on te suit. Alors, voici la place Seoris. D'accord. Elle est punaise, mais elle est grande. Exactement. Et animée en plus. Ouais, enfin pas trop. Nombreux sont ceux qui viennent ici en pèlerinage. En effet, chaque jour voit son arrivée de nouveaux pèlerins. Et cet édifice là-bas, c'est le Sanctum d'Indol, pardon.
Il est intéressant, il est impressionnant et encore le mot est faible. Pas mal, hein? Il capture bien la grandeur et la majesté du pétronium, je trouve. Tête dure. Pourquoi tu fais le fier comme ça? C'est pas toi qui l'a construit, que je sache. Punaise, ça balance. C'est vraiment magnifique, en tout cas. Vos chambres sont déjà prêtes. Vous les trouverez sur votre gauche après avoir pénétré dans le sanctuaire. Allons dormir dans le bâtiment classe là-bas. Vous êtes nos invités d'honneur, après tout. Waouh! En route, si vous le voulez bien. Allez, c'est parti. Alors, on a la place. Où est-ce qu'on doit aller dormir, du coup? Je crois par là. On dirait, en tout cas, on a l'air de se rapprocher, tout du moins. On va prendre les marches d'escalier. On peut, ouais, remarque, on peut sauter, non? Yes. Yes, papa, tu peux sauter. Ouais, on va se rapprocher par là. C'est vrai que la place, elle est quand même assez énorme. Mais bon, c'est un peu vite quand même, on va pas se mentir, hein, les gars. C'est pas non plus l'affluence. C'est pas le pape parle pas aujourd'hui, en tout cas. Je crois pas. Et comment tu vas, toi, mon Lutzen? Ok, Sanctum d'Indol. Est-ce qu'on a des choses à découvrir ici ou pas du tout? J'ai pas l'impression, en tout cas. Allez, on va lever ça. Ok, ah bah voilà. Je pense que eh ben, c'est par ici que ça se passe. D'accord. Mais je regarde un petit peu, hein. Je regarde où est-ce qu'on est. Alors, le repos du Sanctum. Armalia, pardon, elle s'appelle. Il ou elle, d'ailleurs. Dame, la norme nous a averti de votre venue. Vous avez dû surmonter de terribles épreuves au cours de votre périple. Je vous en prie, n'hésitez pas à profiter des chambres que nous vous avons préparées pour vous. Allez, on va se reposer et puis on verra, ça va certainement faire passer à la suite et on va continuer juste derrière. Alors, votre entrevue avec le prêteur aura lieu demain à la salle des audiences de Sanctum. Si vous n'avez plus besoin de moi, permettez-moi de vous me retirer, pardon. D'accord, merci de votre aide. Je vous en prie, bonne nuit. Bonne nuit. Ça va, ça a été ? Eh, hey, Pyra. À propos d'Adam, c'était quel genre de personne? Tu ne préférais pas Mitra? Non, 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 je demande, c'est tout. Ça ira, je demande, c'est tout. Ça sent le piège, ouais, c'est ça. Exactement, ça sent le piège, ouais. Incroyable. Dans les souvenirs de Mitra, il était... moi, je l'ai à peine connu avant de m'endormir, pardon. Mitra n'a jamais connu personne qui fût plus honnête ni plus courageux. Elle n'a jamais rencontré un homme aussi merveilleux. Elle m'a pas connu, c'est pour ça. Ah, ça devait être un véritable héros. Et elle trouve que tu lui ressembles beaucoup, en tout cas. Ah bon? Ah bah tant mieux. Attends, quoi? Mitra ne serait pas contente de savoir que je t'ai raconté ça. Allez, Pyra, je suis d'accord avec elle, tu sais. Tu dors mieux? Ça va mieux? Est-ce que tu dors mieux, mon Lutzen? T'as cours ce soir, KO ou quoi? C'est quoi? C'est mercredi? Peut-être pas, remarque. Pfiou, qu'est-ce qu'il fait froid ce matin? Fan? Tiens, tiens, tu as un faible pour quelqu'un? Ah, génial! Du coup, pas de cours, c'est ça? Je suis matinal. C'est une habitude. Oh, je vois. Je me demande ce que pressentait Pyra et Mitra. Penserait, pardon. Quelle nouille. Mais non, 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 c'est pas du tout. En fait... En fait, quoi, alors? Je ne sais pas. Elle a cet air triste. Oh, tiens, bonjour, vous deux. Vous avez encore un peu de temps avant votre audience. Pardon, nous nous sommes simplement levés trop tôt. Cette fresque est vraiment belle, elle en impose. Elle représente la création d'Alreste.
On raconte qu'elle a été peinte il y a très longtemps, quand Endolt n'était encore qu'une jeune nation. Ça fait un moment que vous la regardez. Ils ne sont pas là. Quoi donc ? Mes souvenirs ? Je sais que je devrais déjà exister lorsque je devais déjà exister lorsque la fresque a été peinte. Peut-être existais-je même avant. Je ne sais pas ni qui j'étais, ni ce que j'ai fait. J'aimerais tellement savoir. Mithra vit toujours, vit depuis très longtemps. Elle sait peut-être quelque chose sur vous. L'autre jour, Mithra m'a appelé Az. Est-ce possible qu'elle m'ait déjà rencontré quelque part par le passé? Vous aimeriez lui poser la question? Hé, hey, salut mon chéri! Oh, magnifique! Oh, pas de quoi! Regarde-toi, tu es tout rouge. Je te jure que je le dirai à Pyra. mais je t'ai dit, ce n'est pas du tout ça. Attends, 22 secondes, chéri. Tu peux regarder ça, c'est pas... Détends-toi, tu vas avoir le front tout ridé. Un pilote et sa lame ne font qu'un. C'est toi qui me l'as dit, enfin, l'autre toi. Tu veux dire Mithra? C'était il y a 500 ans. Alors, tu ne dois pas t'en souvenir. Oh, je me souviens avoir dit ça, oui. Alors c'est vrai? Mais comment peut-elle s'en souvenir? Tu dois te demander comment je fais pour me souvenir de ce détail. Ça va? Tu es en forme? Oui, j'ai vu, tu me l'as montré tout à l'heure. Ah, mais ça se colle dessus! Waouh, mon prince! C'est un journal, en quelque sorte. Tu vois les deux pattes là? Oui, mon chéri. Oui. Désolé, hein, je vous laisse lire. 2 secondes. D'accord, mon chéri. Bienvenue à la maison. Vous êtes chez moi, les amis. Coucou Ethan, Eddie Lonson. Dimitri s'appelle, tu peux l'appeler Dimitri. Ouais, il est gentil. Ça a fait fuir tout le monde, mais c'est pas grave. Non, je plaisante. Après tout, un cristal cœur ne peut pas se protéger un journal, pardon. Le plus souvent, on ne le retrouve pas et nos souvenirs sont perdus. J'ai la chance d'être un trésor impérial, alors on écrit des chroniques officielles sur ma vie. C'est ça, c'est tonton Dim, c'est exactement ça. Je ne sais pas quelles sont ses véritables intentions. Je peux que tenter, je sais pas. Merek, c'est ton pilote, pardon. Si vraiment tu lui fais confiance, tu ne devrais rien lui cacher. C'est vrai, c'est vrai. C'est une histoire de confiance. Il est tellement beau ce jeu. Tu ne devrais pas être Salam. Et s'il compte vraiment pour toi, alors c'est encore plus important. Tu as peut-être rejeté. Tu as peur d'être rejeté si tu lui avoues la vérité. Et je comprends cela. Mais si tu ne lui dis pas maintenant, vous en souffrirez tous les deux encore plus par la suite. C'est sûr. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Et moi, j'ai beaucoup de mal à lire ce soir. Je suis désolé, les amis. Ah, on se connaît depuis si longtemps. Et après tout, nous sommes des lames. Toutes les deux. Tonton Dim. Il est là, Tonton Dim. Alors, l'heure est venue. Alors, je ne sais pas vous, mais je commence à me sentir nerveux un petit peu. Fais attention à ce que tu vas dire. Je sais, je sais. La salle des audiences est juste après la cour. On y sera en un rien de temps. Allons-y, il serait malvenu de le faire patienter, le prêteur. Allez, bah écoutez, c'est parti les amis. Ah, c'est... Ouais, regarde, on va se casser les deux guiboles. Et tout va bien. Ouais, c'est bon.
Écoute, si franchement, si mon frère est si mon frère est parti et je te prêterai le studio. Et s'il est pas parti, bah, écoute, tu sauras. Je suppose, on demandera à Lionel, mais tu pourras être accueilli chez Lionel. Et chez Lionel, à mon avis, à ta place. Alors, dans la copropriété où je vis, il y a trois piscines. Mais je t'avouerai que chez Lionel, c'est pas mal aussi. Allez, on va progresser un petit peu dans l'aventure. c'est ça, exactement. Attends. Là-haut, sur la montagne. D'accord. Bon, ma princesse. Comment ça va? Je sais. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas. Je l'ai pas eu le mien de décompte de retraite mercredi. Et je pense que ça va me déprimer. Toi, t'en as fait qu'un tiers. Eh ben, tu vois, j'ai dû en faire deux tiers. Allez, c'est bon. Même pas. Allez, zut. T'as vu ce que j'ai retrouvé? Il était planqué sous les affaires. Juste là, là. Ma pauvre. On n'a pas fini de travailler. C'est n'importe quoi. Tu t'es cassé les deux guibolles, là. Mince. T'as 30 ans, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas. Ok, donc... Il est allé, puis il a récupéré deux cristaux et il est parti en fait. Et il a dû créer une doll juste derrière. Bonsoir Madame Loïc, si tu peux l'appeler Amandine de son prénom. Il y a Dimitri qui te fait, ça va te plaire. Dimitri, ça te plaît comme prénom. Il y a Dimitri qui t'embrasse. Et voilà, il est reparti avec les deux cristaux cœur finalement. Sud Païra. Et Mitra. C'est le prêteur qui est monté dans l'arbre. Ah, c'est le prêteur qui les a fait. D'accord. Ok. Donc ça sent pas très très bon en fait. Je crois que K.O. il a raison. Ça sent le piège incommensurable. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, notre bon ami, là? Ainsi, tu es Rex. Ta réputation te précède. Bonjour. Attendez, c'est vous le prêteur? Hein? Non, impossible. En effet, je suis Amalthus. Je comprends ta surprise. Tu t'attendais à voir quelqu'un de bien plus âgé, je pense. Mais on nous avait dit que vous étiez le pilote de Cole. Votre éminence. Ne t'embarrasse pas avec de formalités. Je ne suis qu'un représentant du Praetorium. Le titre de prêteur est une décoration en quelque sorte. Et toi et moi, nous sommes pareils, des pilotes d'Aegis. Vos paroles me soulagent un peu, votre éminence. Je sens que tu as changé. Tu es plus déterminé qu'autrefois. Oh, j'ai failli oublier. Tenez. Quoi, c'est juste un cadeau, c'est une dague. C'est Cole qui me l'a donnée. Il a dit qu'elle vous appartenait. Prenez-la. S'il vous plaît. Cole. Ah, ce nom me rappelle des souvenirs. D'accord.
Nous voulons rejoindre Elysium. Cole a dit que vous sauriez comment y aller. Il faut que j'aille à Elysium pour sauver Alreth si je peux. Même si je ne sais pas vraiment ce qu'on pourra faire quand on y sera. Mais si les légendes disent la vérité, nous y serons tous en sécurité et j'y crois. Autrefois je pensais comme toi. J'ai eu la même idée que toi et j'ai atteint le sommet de l'arbre monde. Mais je n'ai pas trouvé Elysium, ni l'architecte d'ailleurs. C'est peut-être parce que je n'en étais pas digne. Je te comprends mieux que personne, Rex, et je t'aiderai dans ta quête, pardon. L'arbre monde, c'est ça. L'Yggdrasil. Ah non, c'est pas celui-ci. Mais j'aime beaucoup aussi l'Yggdrasil d'ailleurs. Je t'en prie, c'est peut-être mon destin. Dragon Quest 11, par exemple, tu vois. Et maintenant. Pyra. Je m'appelle Pyra. J'aimerais avoir l'honneur de m'entretenir seul avec Pyra, pardon. Je voudrais que l'on parle du passé. Je pense que c'était son pilote en fait. Peut-être, ou pas. Alors le vieux Cole connaissait vraiment le prêteur? Qui l'eût cru? Ah, le monde est un petit endroit. J'espère que tout va bien se passer pour Pyra. C'est le prêteur, banane. Il va pas la manger. Tout à l'heure, j'ai ressenti quelque chose de bizarre à un moment quand même. Rex? C'était comme quand on parlait avec le type, là, Malos. Tu te fais des idées. Tu sais que c'est le pilote de Malos, alors tu t'es imaginé des choses, pardon. Non, je sais bien, mais c'était une impression. Pendant un instant, je ne savais plus si je parlais avec le prêteur ou avec Malos. Désolé, je ne sais pas comment le dire. Certaines lames sont très influentes par leur puellote au moment où ils entrent en résonance. C'est peut-être l'apparence, la personnalité, c'est probablement dû à ça, je pense. Peut-être que votre lien avec Pyra a renforcé votre perception de ces choses-là. Ouais, il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas patibulaire, mais presque. Comme dirait un célèbre humoriste. Que vous connaissez pas. Les techniques utilisées ont été oubliées. Je me demande souvent si notre peuple évolue dans le bon sens ou s'il régresse en fait. Qu'en penses-tu? Je suis étonné de voir que tu as si peu changé. Personne ne trouve ça bizarre. Je suis un Indolien. Et qui plus est, un pilote d'Aegis. Le temps a moins d'emprise sur moi. Si tu le dis. Mais pourquoi faire cela maintenant? Tu n'as jamais voulu laisser quelqu'un y aller auparavant. Les temps changent, Mitra. Les gens aussi. Ce n'est pas une réponse. J'aimerais croire que quelqu'un pourra rencontrer l'architecte et sauver ce monde en perdition. Qu'est-ce que ça a de si étrange? Et ce quelqu'un, ce serait Rex? Est-ce que tu aurais pu rentrer en résonance avec lui si tu avais eu... un tel potentiel? C'est pas faux à la fois. Alors, pardon de vous avoir fait attendre. Ah, Pyra est de retour. Comment ça s'est passé? Alors, il a surtout parlé avec Mitra en fait. Ah, ils se connaissent, c'est ça? Oui. Chers invités. Oh, fan!
Les événements d'aujourd'hui ont dû vous peser sur vous. Restez encore une nuit ? Elle a raison. Nous n'avons fait que nous entretenir avec le prêteur Amalthus, mais je me sens épuisé. Acceptons cette invitation. Allez, bonne idée. Torna n'a pas d'objection pour dormir dans un lit moelleux douillet encore une fois. Allez, retournons au sanctum alors. Allez, bah écoutez, go à l'hôtel. Et puis bah, j'espère qu'on va pouvoir commencer à faire un petit peu de fight et prendre des quêtes et continuer un petit peu la quête principale. On devrait prendre cette quête là d'ailleurs, du reste. On va aller dormir et peut-être que... Alors, qui êtes-vous? Quelque chose ne va pas? Ah, vous n'êtes pas d'ici vous, hein, je suis soulagé. Je me présente, Melika. Ma mère est devenue orpheline pendant la guerre et elle m'a élevé ici, à Endol. Donc, même si je suis gormontoise, je n'ai jamais vu cette contrée. Excusez ma réaction de tout à l'heure, mais je suis sur les charbons ardents. J'ai l'impression qu'on m'espionne. Ah bon? Ça a commencé il y a peu de temps quand j'ai intégré le cœur d'Indol. Et tout va bien? Ah, je suis sûr que tu t'inquiètes pour rien, Pyra. Eh bien, je suis constamment sur mes gardes, en fait. Ah bah ça, c'est pas cool. Si je vous demande gentiment, m'aideriez-vous à confondre le ou les ou la misérable qui m'espionne? Si tu auras donné coup de papate, on va s'envoler en moins de deux. Allez, vraiment merci. Voyons, vous pourriez commencer votre enquête en interrogeant les gens du coin. Évoquez-moi au détour de la conversation sans avoir l'air et observez les réactions. Le coupable habite forcément dans cette ville. Pourquoi un étranger se fatiguerait à m'espionner? Venez me voir si vous glanez des renseignements intéressants. Je ne bouge pas d'ici. Ok. La choriste Melika. Ok, une petite quête annexe, vite fait. Ça me fait penser... Alors, on va pas suivre la quête maintenant, mais on la prend. Ça nous permettra d'avoir ça sur nous. Bien que, on a à qui parler ici. Par contre, ce que je vais faire, et qu'on n'a pas encore fait, on n'est pas allé dans les menus. On va rentrer dans les menus, et voilà. On va récupérer une quête, et puis on va renvoyer des mercenaires en faire d'autres, bien sûr. Histoire de monter un petit peu nos lames en level. Est-ce qu'on fait Argentum? Non, celle-ci est complète. Gormotte, allez, va pour Gormotte. Tiens, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des humanoïdes, donc ça on en a, c'est pas un soussail. Alors, on va prendre la ici, ici, ici. Tiens, ça, ça. Et on est parti. On va envoyer un petit peu des gens. Ouais, comme ça, ça leur fait prendre un petit peu d'XP si vous voulez. Comme ça, on est bien. Du coup. Oui, pardon, lancer la mission, excusez-moi. Bim, comme ça, et on est parti. On raisonnera avec des lames en fin de live, hein, comme on fait d'habitude, les amis. Et on va essayer de monter un petit peu en XP là maintenant, parce que. Et de faire un petit peu des choses sympas. Allez, on va aller se coucher. On va faire nono. Et. Alors, par où on passe par contre? Ah, c'est plus par là-bas, je suis bête, mais oui, bien sûr. Bien sûr, c'est derrière les portes. On s'est retrouvé là-devant, mais en fait, finalement, c'est juste derrière. Il faut juste passer de l'autre côté. Ouais, des fois. Allez, c'est juste là-bas. On a pris la quête, mais ce soir j'aimerais faire quand même pas mal de quêtes principales. Vraiment. Et comme ça on est bien. Allez, fais voir, on va lui parler. Alors vous devez être fatigué, pardon, très fatigué, après votre audience avec le prêteur Amalthus. Nous avons mis des chambres à votre disposition si jamais vous souhaitez vous reposer. Et yes, allez, c'est parti les loulous. Pilou à la crème, on est parti. Ouch. Ok, je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais en tout cas ils fabriquent des armes au vu de la guerre. Tiens, il y a Jean qui est là. Et du coup. Skeleton.
Il est toujours intact après ces siècles. Incroyable. La technologie des manches serres. À votre santé, les amis. Les humains et leur volonté de survivre. Je suis désolé de te faire ça. Et il fonctionne encore en plus. Punaise. Alors, je vois. Très bien. Le sénateur Rodrich se serait rendu hier au Petronium de manière officielle. Officieuse, pardon. Non, Sa Majesté ne m'en a pas informé. Mais pourquoi maintenant? Ce n'était pas certainement... pas une simple visite de courtoisie, pardon, excusez-moi. Pensez-vous que cela est un rapport avec les fouilles à Tempérantia? La ferme préoccupe Sa Majesté. Si ce n'est pas le cas, peut-être fait-il secrètement affaire avec le Petronium. Maudit soit-il. Ouais, il y a un truc. Il y a clairement un truc. Ça sent pas bon, ouais. Ah bon, alors ce piège il arrive, ben justement, on ne sait pas, mais je pense que oui. Bon, là il y a Jean qui a pris un titan manche serre, armé comme Jaja. Mais après, ouais, non, je sais pas, mais vraiment, ouais. Et coucou, ça va, Lio? Salut, installe-toi confortablement, mon chouchou. Bienvenue. Est-ce que ça va et est-ce que tu as passé une bonne journée, mon chouchou? Ouh là, ça va faire des dégâts, je pense, ouais. Oh, ça fait un peu comme le vaisseau d'Albator, vous savez? Vous le voyez ou pas? Ouais, vous l'avez, ouais. Je suppose que vous l'avez, les loulous. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai une requête urgente à vous soumettre. Veuillez vous rendre sans délai à la salle des audiences, pardon. Ok. Voilà. Eh, coucou mon creepy. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Bienvenue les chouchous. Bienvenue à tous, en tout cas. Merci d'être là. Je suis là, mais je vois que tu es là. Allez, on va se péter les deux genoux et on y va, les gars. Salle des audiences, je crois que c'est par là. De toute façon, ça n'a pas dû bien bouger. Oui, journée occupée, mais bien occupée, mais tranquille. Mais écoute, moi, c'était une journée encore de... J'ai rien fait. Et ça m'énerve. Donc voilà. Mais bon, écoute, il faut bien passer par là. De toute façon. Allez, on va grimper là. Et on va bien voir à quelle sauce on va être mangé, en fait, tout du moins. On est un peu trop jeune pour savoir comment tire l'Arcadia, mais pas du tout. Alors là, moi, je crois pas, moi, hein, tu vois. Je crois pas, mon chaos, justement. Il tire comme ça. C'est ça, c'est ça, mon lion. Comme vous le savez peut-être, il existe une zone démilitarisée entre Morharden et Uraya, Tempérantia. Une zone tampon entre nos deux nations. Nous avons eu vent d'un conflit dans cette région. Morharden est en possession de titans de guerre. À l'heure où nous parlons, leurs troupes avancent vers Uraya. Les titans des deux nations sont sur le point le plus proche, machin, truc bidule. C'est indispensable, bien sûr. Notre peuple ne partira jamais en guerre. Quoi qu'il en soit, il faut enquêter. Prêteur, je vous demande congé. Nous devons nous assurer de la situation, votre éminence.
C'est ça, tellement jeune que tu connais son nom, c'est ça. Alors, puis-je vous demander de prêter assistance à l'inquisitrice spéciale Morag? Ça sent vraiment mauvais leur truc. Nous n'avons aucune raison de refuser. Il ne faut pas s'inquiéter pour moi. Alors, allons-y vite. Allez, c'est parti les gars. On reviendra à faire les quêtes secondaires ici, hein, vous en faites pas les amis. Mais ce soir, je voulais vraiment continuer un petit peu dans la quête principale. Alors, votre groupe de formation a été modifié. Ok, c'est bon. Bim et bim. On est bon. Allez, il faut aller prendre le bateau, je pense. Normalement, on a tout ce qu'il faut, là. Merci, mon Lio. Merci bien. Allez, normalement, je pense qu'on va pouvoir partir tranquillement et on va découvrir un autre endroit et du coup, bah, partir en guerre. Attends, où est-ce qu'il faut aller là? Du coup, salut. Pourquoi? C'est bizarre leur histoire là. Là, ça baisse, on est d'accord. Et là, ça augmente. Web. Eh, hey, merci, merci beaucoup. À votre santé les amis. Je vais regarder un petit peu sur la carte si... Hein? D'accord, je savais pas. Tiens, café extra torréfié. Il va falloir qu'on les recharge un petit peu tout ça aussi. C'est par là? C'est par là les gars, je pense. Hein. Allez. Hop, on va mettre la toute petite carte sur le dessus là. Voilà, on est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans ton gros chapeau, tata yo-yo? Alors, les préparatifs ne sont pas terminés. Qu'avez-vous fait, pardon, sénateur Rodrich, inquisitrice spéciale? Mais que faites-vous ici? L'empereur avait ordonné la suspension des forages. Il a été très clair, sénateur. Si vous avez repris les opérations, vous allez à l'encontre de sa volonté, bien sûr. L'empereur ne comprend pas à quel point Morarden manque de ressources. J'agis pour l'Empire. Votre patriotisme est touchant. Mais cela n'explique en rien pourquoi vous partez en guerre contre Raya. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais donné cet ordre. Moi-même, je n'oserais jamais entrer en guerre sans l'aval de Sa Majesté. Alors qui? Morag. Mais on va aller voir ça, hein. Je vous le dis. Qui sont ces gens? Comment osent-ils s'introduire ici? Voici le pilote de la GIS. Traitez-le avec la même diligence que moi. Et on parle pas de trucs tirés par des chevaux, bien sûr. Lui, mais j'ai entendu des rumeurs, mais ce garçon. Il y a des rumeurs sur moi maintenant. Oh, je suis si connu que ça. Savez-vous combien coûte la réparation d'un château d'eau? C'est très cher. Ah ben oui. Tu n'es pas forcément connu en bien, malheureusement. Mince alors. Morag, est-ce que Morarden est vraiment passé à l'attaque? Ouais, même si cela est difficile à admettre. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe enfin? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. On va le découvrir, c'est un grand suspense, les amis. C'est en effet fort délicat si cela devait mal tourner. Guerre totale. Ce n'est pas le bon moment, nous ne pouvons pas gagner, pas maintenant. Vous aviez prévu de déclencher une guerre de toute façon, ça l'aura. L'heure n'est pas aux accusations, pardon. Mais l'Empire n'a jamais vraiment voulu la guerre, si? Le cristal cœur? Ne me dites pas que vous êtes... Répondez-moi. Vous avez raison. Ah, t'y pensais à la diligence, tu vois? Je te l'ai dit. Qui a le plus à gagner d'une guerre entre Morarden et Uraya? Qui a le plus à gagner, tu veux dire... Jin et Torna, bien sûr. Très possible. Mais alors, que font-ils? Qu'ont-ils fait, pardon? Peut-être juste une coïncidence, hein? Maître Pont, j'aimerais bien le croire, en tout cas. Inquisitrice Morag, je vous en prie, vous êtes la seule à pouvoir mettre un terme à tout ceci. C'est peut-être un peu tard, ne croyez-vous pas? Mais il est hors de question de rester les bras ballants. Bridget? Yes.
Of course. Allez, on y va, les amis. Rex, il s'agit d'une affaire impériale. Nous ne pouvons pas exiger votre aide, bien sûr. Bien sûr, comme dit Torna, si c'est vraiment une coïncidence. Mais si Torna est vraiment impliqué, nous aussi c'est notre problème, non? C'est aussi notre problème, non? Pardon. Mais, on va dire que c'est pour compenser la destruction du château d'eau, d'accord? Tu m'étonnes. Allez, j'en étais sûr, on est parti. Ta noblesse me laisse pour toi, pardon. Allez, en avant. Très bien. Puis-je vous demander votre aide? Mais bien sûr, on est là pour ça, nous, les amis. Évidemment. Bien sûr que oui. Ah, ça m'a fait penser à une chanson, évidemment. Et un film, évidemment. Ah, il y a une super série en ce moment, je vous en parlerai après. Un titan transformé en arme de guerre est impliqué, n'est-ce pas? Mes pouvoirs ne fonctionnent pas sur ce genre de lame, mais aussi sur les titans. Je suis certaine que je pourrais vous aider, pardon. Et puis, j'ai l'étrange intuition que je dois y aller. Fan la norme, vous... Oh, joli, level 44, mon creep. Alors, comment on atteint Temperatia? Bon, on va prendre un bateau, je pense. Hein. Alors, si le sénateur est là, un vaisseau de l'armée ardienne devrait être amarré au port. Allez, en avant. Alors, nous avons juste à aller au port et à monter à bord. Allez, allez, on va aller faire un petit peu de combat, ça va nous faire du bien, les amis. Allez, le groupe est modifié, mais on va rester comme ça, de toute façon. Alors, je me souviens jamais. Est-ce que c'est par là ou est-ce que c'est par là? Je crois que c'est dans l'autre sens. Bien sûr. Tu te trompes, Loïc. C'est de l'autre côté. Non, c'est pas par là. C'est de l'autre. Et ouais, du coup, ça va. Après, on descendra. C'est pas un souci. Mais ouais, mais tu vois. Allô le monde. Est-ce que tout va bien? Allô le monde. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête. Mais ça aurait pu changer parce qu'on était parti sur du évidemment. Alors du coup, ça aurait évidemment pu changer. On est passé par où du reste? Par là-bas, je crois. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, merci, c'est gentil. Ça va, Lio. A tout de suite. Est-ce que c'est par là au moins? Fais voir un peu. Je ne sais pas. Et je reste planté là, les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et je ne peux pas, je ne sais pas, mais je reste planté là. Et oui, une chanson d'un chanteur, mais vraiment mort cette fois. Je peux pas, je rigole pas avec ça. Le pauvre, il est vraiment décédé. Mais quel chanteur. Allez, ça va mon Lio, à tout à l'heure. Allez, on va aller au port. Est-ce que c'est celui-ci? Oui, je pense. Hein. Est-ce qu'on reprend des trucs, on recharge les autres ou pas du tout? On a quelques quêtes annexes aussi à faire ici. On en prendra, hein, bien sûr. On avait dépensé beaucoup d'argent, donc il va falloir complètement qu'on en regagne parce qu'on n'en aura pas assez. On a fait les emplettes qu'on avait à faire, donc du coup, on n'a plus qu'à partir. C'est exactement ça, Creep. J'aime bien parce que tu connais. Ça me fait rire. On n'est pas au courant, désolé. C'est ça, mon chaos. Mais on n'est pas en vacances, hein. Non, c'est pas grave. J'ai entendu plein de choses au sujet des titans. Ce sont ceux qui récoltent les cristaux, c'est ça? Et puis, je peux pas nier que ça ne nous concerne pas aussi. Puisqu'ils disent venir de Torna. Allez, on y va. Tête dure? Ok, mais finalement, on a beaucoup de monde avec nous, là. On va rester avec notre équipe, hein, bien sûr, c'est pas mal comme ça, je trouve. Et salut Aigle Noir, comment tu vas? T'es en forme? Bienvenue, merci d'être là. Bienvenue à toi. Allez, on est parti. Alors, vous voulez aller sur Temperatia.
on peut vous préparer un vaisseau ici, ici c'est le cas. Allez hop, on y va les amis, on est parti. On va faire un petit peu de fight, ça va nous faire du bien. On n'en a pas fait un depuis le début et on est à 50 minutes de live, on n'a pas fait un fight aujourd'hui. Ce qui est rare quand même, je vous avouerai. Ah, je suis content que tu ailles mieux, vraiment, je suis très content que tu ailles mieux. Alors, un petit temps de guerre, il avance environ 40 FPS par heure, ok. Faut qu'on arrive avant lui. Ok, petit temps de guerre. Pouvons-nous accoster quelque part? Il y a une baie proche d'ici. Si nous accostons là-bas, vous pourrez atteindre les falaises. D'accord, compris, on va y aller. Allez, là je pense qu'il va falloir faire un petit peu d'XP. Et puis après on va voir ce qu'on peut faire pour les aider en tout cas. D'accord, t'es quand même retourné, t'as réussi à retourner au collège. Mais j'espère que ça a été quand même parce que c'est pas... C'était pas simple quoi. Ça avait pas l'air simple du tout. Et Mais en tout cas, je suis content. Je suis content de te voir. Installe-toi comme il faut, pardon, et on va s'occuper de tout. Tu s'occupes de rien, surtout. Ok, allez, c'est par ici que ça se passe, les amis. On va faire un petit peu de montée d'XP. Tiens, regarde, on a un petit peu de collecte. On va récupérer un petit peu 3-4 trucs. Et puis, on va voir comment ça se passe. Il y a du... Il y a du 36 ici, de level. Allez, hop. C'est parti. Allez, viens ici. Attends, viens là. Voilà, on fait tomber ça. On est bien. Ouais, ça a pas dû être simple. Hein. Alors, on attend que les autres. Combien? Ah oui, on est niveau 41 quand même, ça va. On devrait pas avoir trop de mal, mais ça risque de se corser un tout petit peu plus tard. Allez, on va reprendre Pyra. On reprofite du déséquilibre. On fait chuter tout ça. On va passer sur Rock, bien sûr. Alors, j'essaye. Avec Rock, c'est un petit peu compliqué. On fait une roche par contre de l'autre côté avec Torna. Et maintenant on va balancer la lave, on va prendre l'île avec nous. On est niveau 2. On a des combos de lame de niveau 2. Donc je pense qu'on va refaire une chaleur de ce côté là. Tiens, fais voir. On a pris un cristal cœur en plus, donc on est pas mal. Alors on est quoi? Niveau 3. Ouais. Allez, on enclenche. Allez, c'est... Ah non, c'était pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Allez, tant pis, on s'est trompé. C'est pas grave, on y arrivera tout à l'heure. Allez, on y fait faire une bombe de vapeur, au cas, c'est pas très grave. On vient ici, mais on s'est trompé dans branchement, il faut s'y remettre un petit peu. Hein. Ça fait un moment qu'on n'y a pas joué. Okay. Allez, on s'appliquera tout à l'heure, un peu plus quand même. On va récupérer les pièces qu'il y a là, et puis on va grimper, hein, tout simplement. 4 heures d'évaluation, ouf, ah oui quand même, ça a piqué un peu non, 4 heures d'évaluation, allez hop, ok, allez, par terre mon chouchou, par terre, et DS c'est quoi, pardon, parce que tu sais ça fait tellement longtemps que je suis pas allé à l'école que DS tu vois ça me dit plus rien en fait. Allez, on va faire ça, tiens, on va partir sur de la roche par contre, puisque c'est quand même la base de notre équipe. On est niveau 2, donc on attend un tout petit peu avant de passer sur autre chose. Allez. Allez la roche, s'il te plaît. Allez, on va passer sur Pyra. Ouais, c'est bon. Ça va, ils sont dans un niveau un petit peu inférieur à nous. On a quand même fait pas mal de montants en level, hein, je dois vous dire. Ceux sur lesquels on a le plus de mal, c'est vraiment les oiseaux. Il faudrait qu'on arrive d'ailleurs à faire des choses un peu mieux, quoi. Mais bon. Alors, par où on passe? Par ici, je crois. Ouais, c'est bon. Alors, oh, yes. Allez, ça va. Oula, ça va nous faire mal, ça, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va se mettre sur le côté. Ah, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. Ah, devoir surveiller. D'accord, ok, mon cul. Merci. Hein. Avec un plus gros coefficient. Ok. Merci. Hein. Rattrapage pour les nuls. Merci, les gars. Vous êtes sympas quand même.
Désolé papa, il a plus l'âge. Mon fils il est au CP donc c'est vrai que c'est un peu plus un peu plus compliqué pour moi. Alors tu y vas mon chouchou quoi, comment ça se passe? Voilà, comme ça, hop. On va reprendre Nîmes hein, derrière les amis, si on peut. Ouais, on va reprendre Nîmes. Ah non. Niveau 2, allez, on prend Pyra et puis on va pouvoir commencer à faire ça. Est-ce qu'on est niveau 3? Dépêche-toi. Yes, on passe. Ça passe. Petite déflagration. Allez, on attaque l'enchaînement. Une déflagration de l'autre côté. Et on est bon. Ouais, c'est bon. Ça commence à être propre. Ouais, ça commence à faire son lot de dégâts. C'est pas mal. Allez, on fait une roche. On part avec Nîmes, du coup. Ok. On va passer sur Rock derrière. Et du coup, on repassera sur Nîmes juste derrière, je pense. On va essayer, en tout cas, les amis. Allez, on a encore un peu de temps pour finir l'enclos. On est quoi, niveau 3? Allez, il faut passer sur Nîmes vite fait. On pourrait passer avec faire une lave avec Pyra. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Et comme ça, après, on fera une projection de l'autre côté. Je pense que c'est le plus intelligent, en fait. On peut faire une méga éruption aussi. Vraiment. Donc là, pour l'instant, je pense que c'est pas mal. On l'a fait tomber en plus. On va passer sur Nîmes. Et après, on passera avec Rock pour faire un saut de protection, en fait. À moins qu'on puisse faire... Tiens, on peut faire une tempête volcanique ici, remarque. Ça peut passer aussi, hein, les gars. Allez, hop. Ouais, j'aime bien ce jeu, vraiment. Il est vraiment bien. Et une fois que t'as pris le coup et que t'as regardé et que t'as vu comment ça pouvait se passer, bon, plutôt... C'est plutôt... Tiens, on repart sur de la chaleur, du coup. Ok. Allez, on est sur Nîmes, donc là, on va passer sur Rock et on va continuer un petit peu. Je pense que là, ça va le faire tranquillement. On va passer sur Pyra, on va faire tomber tout ça. On est niveau 2, on va attendre de monter niveau 3, puis on va passer sur les enclenchements de chaleur, je pense. Allez, on est parti avec Pyra. Embrassement de chaleur. On va essayer sur jusqu'au saut des... Mais non, pas la peine. Attends, fais voir, on va récupérer ça. On va partir sur de la roche, je vais le placer derrière. Et puis c'est parti. Ouais, peut-être plus de la lave, ouais. Allez, on va prendre Nîmes avec nous. Alors, on a une tempête volcanique qui se prépare ici. Je sais pas si on va y arriver. Hop, voilà, on va prendre Rock. Mais on est que niveau 2 du coup, donc je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire, les nounous. Allez, fais voir. Là maintenant, on va être niveau 3, j'en vois. Et la tempête volcanique, je pense qu'elle va pouvoir passer par là. On se refait une petite chaleur, ça va le faire. Allez, on a un aigle qui arrive, donc là par contre. Eux ils nous font toujours très très mal en fait, je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas ils nous font vraiment mal. Allez, on va prendre Nîmes avec nous, on fait tomber, voilà, petite projection, on n'oublie pas, fais voir. On va prendre Rock, et tu vois, eux ils nous font vraiment tellement mal en fait, vraiment. Donc je pense que là on est bon. On va se faire l'embranchement avec Pyra, regarde. On vient ici, il y a de la brûlure ici. Ah, j'ai pas pu y mettre le feu. Hop, on en voit. Ok. Ouais, c'est bien. Et une déflagration qu'on va envoyer juste derrière et ça va lui faire tellement mal. Allez, c'est parfait. Ouais, 19 000 points, c'est bien. On repart sur de la roche et là, on va prendre Jean-José. Et on va y arriver, je pense, hein, sur un malentendu, les gars. On va descendre tout ça. Mais en vrai, je suis tellement content de faire un live là ce soir. La journée, elle a été ennuyeuse, en fait. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps dans la journée sur ordi. Donc j'ai les yeux qui brûlent un peu, qui piquent un peu. Mais du coup, c'est tellement bien d'être avec vous là ce soir, les gars. Par contre, lui, il nous fait tellement mal. Allez, hop. Est-ce qu'on est niveau 3? Pas encore. Allez, on envoie.
Ouais, on l'avait pas, on l'avait pas. Ah si, si, il est passé, c'est passé, les amis. Allez, je vais essayer de le faire tomber, mais pas sûr que ça fonctionne. Mime, on va passer du coup avec Mime. Ah punaise, le déséquilibre est passé juste derrière. Est-ce qu'on y arrive? Non, j'y arrive pas. Ah si, si, par contre. Hop. Allez, on envoie une tempête volcanique, regarde, elle va passer. Nickel, nickel. Ça passe crème, ça. Ça passe crème, les amis. Bon alors, effectivement, on est un tout petit peu plus haut en level que... Mais la tempête volcanique, là, elle est tellement bien passée. Mais vraiment, quoi. Ah, ça y est, l'escouade est de retour, en plus. Allez, on va repasser. Du coup, c'est par là. Par contre, on va passer par là, 2 secondes. Hein. Les mercenaires sont de retour, donc on va aller les récupérer. On a pris des soins d'art de niveau 2 et une ceinture de vapeur. Et par contre, on a pris un petit peu d'or et un peu d'XP. C'est toujours pas mal. Ça permet d'augmenter un tout petit peu tout le monde. Au niveau des levels, et j'aime bien, quoi. Ok. Allez, on va les renvoyer, par contre. Tiens, on va continuer au Raya, c'est ça. Transport de biens, on va faire ça. 2 masculins. D'accord, et eh bien écoute, on va prendre ça. On va prendre lui, on va prendre elle. Ça la fait monter en XP. Et puis après, écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. On va prendre, tiens. Ah, ouais. Remarque, on peut faire. Je croyais qu'elle était attribuée, mais pas du tout. Allez hop, c'est parti, on envoie. Allez, l'escouade a été envoyée. Une heure quand même, elle va mettre à faire la mission. Donc, ils vont pas revenir de suite. Eh ben, dis donc. Ils nous cherchent, ils sont des types agressifs quand même. Tiens, tu vas descendre déjà de ton piédestal, c'est grave. Mais ouais, ils sont type agressifs, on va pas arriver à y aller comme ça aussi facilement, pardon les amis. Allô le monde. Tiens, on va partir sur de l'embranchement de chaleur, par contre ce sera bien. Est-ce que tout va bien? Allô le monde. Ok, niveau 1. Ici on va prendre une frappe balistique, on va venir ici, on va prendre Rock avec nous. Est-ce qu'on peut le faire tomber avec ça? Peut-être pas. Ah si, tu vois, on a fait une petite chute. Allez, on va attendre d'avoir Pyra avec nous. Et elle passera bien niveau 3, j'espère, en tout cas, ouais. Tiens, on va refaire une chaleur ici. Et on va faire tomber avec le déséquilibre, tout simplement. Et du coup, allez, on est parti, les filles. On fera une petite déflagration juste derrière, si on peut, en tout cas. Voilà, déflagration de ce côté-là. Ah, il y a l'aigle de Monsieur Seguin qui est arrivé, ce qui veut rien dire et qui correspond à rien du tout, mais c'est pas grave. Et ok, on est sur ça, on va passer sur Rock maintenant. Est-ce qu'on peut arriver à le faire tomber? Peut-être pas, les amis. Attends, je vais bouger la caméra, comme ça, ça va vous permettre de voir. Parce que Rock, il prend tellement de place à l'écran que c'est un peu compliqué. Vraiment. Allez, Pyra, elle va y aller. Est-ce qu'on est niveau 3? On est niveau 3, fais voir. Allez, on y va. Voilà, comme ça, on le gâche pas. Il y a une tempête volcanique qui va se préparer, c'est pas un problème. Alors, je sais pas, par contre, tu vois, pourquoi il se met si haut, mais c'est pas grave. On va essayer de faire ce qu'on peut. Tiens, tempête volcanique, ici, maintenant. On y va. Ah, on commence à bien le tenir en fait, on commence à bien le tenir maintenant. Je dis pas que ce sera tout le temps comme ça, mais vraiment là ça va. Alors je vois pas où est-ce qu'il est, j'arrive pas à monter par contre. Qu'est-ce qui nous ennuie là? Pardon, on va essayer ça, et du coup je vais essayer de le faire tomber avec le petit déséquilibre là, voilà, exactement. On va faire ça, je sais pas du tout où est-ce que c'est par contre. J'arrive pas à voir qui c'est, où est-ce... Ah, c'est là! Mais je t'avais pas vu, chouchou! Voilà. Allez, c'est réparé. On va prendre Rock avec nous. Ok, cool. Voilà.
Bah c'est par là que ça se passe, je pense. Alors ça, par contre, on n'aime pas. On va essayer de passer de l'autre côté, non? Est-ce que... Ouais. Est-ce qu'on peut pas... Je pense que c'est plus par là, en fait, le chemin. Ouais, c'est ça. Là-bas, ça va nous faire tomber dans un cul-de-sac, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est pas... C'est pas le bon endroit, en fait. Il y a un peu moins de monde, là. Alors, en avant. Ouf. Ah bah zut alors. Ah oui, bah là il reste plus personne, effectivement. Quelle horreur. Ils n'ont eu aucune chance. Ouais. Regardez là-bas. Et ouais, il y a Jean au volant, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est celle-ci, en fait. Punaise, il nous tire dessus. Tout le monde va bien? Ouais, à peu près. Ouais, là, il faut faire quelque chose, par contre. Et comment on fait ça, au fait? Et il y a un mécanisme de contrôle hardien dans son dos, pardon. Si on arrive à sectionner les câbles, reliés à chaque patte, l'énergie ne sera plus acheminée et il s'arrêtera. Dame Mitra, je suppose que vous pouvez y parvenir. Bonne idée. En effet, cela me semble une bonne option. Si on envisage de réduire toute la zone en cendres. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je lis les manuels d'instruction et ça fait partie de mon travail. Cette arme est alimentée par des fluides de titan transformés en gaz. Ce gaz est particulièrement instable au moindre choc. On risque l'explosion massive, pardon. Nous avons connu un accident de ce genre il y a 3 mois, faute de précaution. Si nous avions attaqué sans penser à cela... Ah, c'est rageant. Mais pourquoi diable construire une arme aussi dangereuse? Si l'ennemi détruit l'arme de l'intérieur, ses propres lignes, alors ils seront anéantis. Nous partirons de ce principe. Une telle froideur mérite presque des applaudissements. C'est exactement pour cela que l'empereur a ordonné d'arrêter le forage. Et on ne peut pas atteindre des types à bord. Au centre de pilotage est protégé par 10 cm, les chances de percer et de détruire sont faibles. Mais l'armure ne recouvre pas tous les câbles d'alimentation. Alors, c'est la seule cible que nous avons. Que nous ayons, pardon. Mais comment monter sur le dos du titan? Oui, bonne idée. Bah, il faut trouver un endroit en hauteur, en fait. Voilà, là-bas. Super. Plus haut. Il y a un endroit... un peu plus haut. Si on parvient à l'atteindre, on pourra sauter sur le dos. Et si on saute au bon moment, on s'écrase en bas de la falaise. Si on ne saute pas, pardon, au bon moment, on s'écrase en bas de la falaise. Nous devons aussi réussir à éviter ces attaques. Ok, écoute, on va essayer. Laissez-moi m'en occuper. Bon. Je peux immobiliser le titan. Sautez quand vous serez prêt. Quand il sera arrêté. Allez, c'est cool, on va y aller, les amis. Bon, très bien, mais soyez prudente. Ne vous en faites pas. Allons-y alors. Alors, les collines du Belvédère. Donc, il faut qu'on aille tout là-bas. Mais il va y avoir un mais, hein, je suppose. Voilà, c'est ça. Allez. Mais je crois que ça fait très très mal, ça, en fait. Il me semble. Je veux rien dire, mais il me semble. On va rester sur le côté, comme ça, on va voir si on peut en faire quelque chose. Voilà. Allez, on va reprendre un petit peu de cause soignée, ce sera bien. Pour rester sur le côté, parce que sa queue, je crois qu'elle peut faire très mal. On va prendre Rock avec nous, et puis on verra bien. Je pense que là, à mon avis, ouais, tu vois, il y a ces trucs à 37, là. Ils vont venir essayer de nous arracher comme jamais, bien sûr. C'est terrible. Hein. Allez, on va prendre ça. Ouais, on va aller sur de la... Allez, va pour de la lave. On est parti. On est quoi, niveau 2, on va passer niveau 3. Il y a une méga éruption qui est partie. Et on va l'envoyer, je pense.
Allez hop, c'est parti mon kiki. Bon, on y arrive. C'est bon. Notre entente, elle va augmenter de toute façon. Tu as fait. Hop, tu descends, tu viens ici. Alors par contre, on va pas pouvoir continuer, je pense. Nice. On sera passé à côté de notre embranchement, mais c'est pas très grave. Ouais, on va faire une chaleur, pourquoi pas. Allez les loulous, tiens, on va prendre Pyra, on va venir ici. On est quoi, niveau 3? Allez, on va prendre Pyra, on va faire descendre tout ça. Allez hop, par ici. On va attendre la déflagration, ce serait bien si il arrive à nous la faire. Tiens, la déflagration, on va la prendre ici. Ouais, c'est bon. C'est passé. Allez, on part sur de la roche par contre. On a Rogue de toute façon avec nous. On va venir là. Par contre, on a plus de. Qu'est-ce qui nous fait mal? Qu'est-ce qui nous fait mal? Attends, il faut. Voilà. Il nous faut se soigner là. Attendez, bougez pas, bougez pas. Wow, ça a été limite, les gars, comme ça a été limite. Oh punaise. Ah ouais, par contre, il nous fait mal. Hein. Ouh. Oh vieux. Yes, il nous fait un peu mal quand même, j'avoue là. J'avoue que là, c'est pas l'Amérique. Il nous fait vraiment mal. Ouais. Alors, on va passer sur le côté parce que je pense qu'il faut pas pousser mémé dans les orties. Et on va éviter de. Qu'est-ce que. Oh putain. Ah ouais, non, là. Là. Pardon. Remont Lyon. Alors, on est passé par là. On a déjà dégondé ceux-là. On va essayer de passer discretos, mais pas sûr que ça fonctionne. Donc, en tout cas, pour celui-là, ça fonctionnera pas. Enfin, je crois. Il nous a pas vu. Enfin, j'espère en tout cas. Hop. Allez, fais voir. Il est où? Je le vois pas en fait. Ah, il est là. Il fait combien? Il fait 37. Allez. Pourquoi? Ouais, mais en oh, punaise, ils sont deux. Ils sont deux en plus. Ouais, non là. C'est pas l'Amérique, non. Ah non, je la connais pas celle-là, Lio. Non, celle-là, je la connais pas bien. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Je crois que c'est ça, mais. Alors, on peut pas s'approcher plus. Permettez. Fan. Fan, je voudrais seulement te dire. Eh, hey, mais elle va vite, Fan. Les gars, je trouve en tout cas. Ah oui, bien, bien, bien. Allez, on y va. Ouais, là. Pas sûr qu'on y arrive en fait. Un dispositif de défense autonome, tiens. Technologie ardienne, mes excuses. Mais qu'est-ce qui vous a pris de fabriquer un truc pareil? Arrête de chouiner et bats-toi. Mais carrément, carrément, carrément. Quel niveau il est par contre ce truc là? C'est déjà pas mal, exactement. Du coup, pardon, autant pour moi. On va passer derrière nous, je pense. Hein. Voilà. Ok. Allez, fais voir, tu prends ça dans la musette. 38 quand même, ouais, ça va aller, regarde. Alors, il prend des trucs quand même pour se soigner. On peut quand même se soigner, c'est pas l'Amérique, mais on peut quand même. Allez, viens la rock. Allez, on va partir sur de l'embranchement roche, par contre, les gars. On va repartir sur l'île juste là, on est quoi? On est que niveau 1, il va falloir continuer. Un tout petit peu. Une lave, je suis pas sûr qu'on puisse la faire, mais. Allez. Allez, Pyra. Alors, je vois pas, ouais, par contre, tu vois, c'est ça. Ça, c'est le plus gros des problèmes, c'est quand il nous met les trucs pour soigner aussi loin, en fait. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On se ferait une lave après ou. Tiens, on va prendre Pyra. Oh, regarde. Ah non, c'était Mitra, je suis bête. Fais voir. Voilà. Allez, va prendre la chaleur du coup.
Ah, si on monte niveau 4, on pourra enclencher tout ça. La bombe de vapeur monte pas du tout. Et nous, on va passer sur cet embranchement-là. Allez, on est parti, les gars. Hop là. Parce que là, pour l'instant, on ne fait pas grand-chose, en fait. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Là, on va passer de ce côté-là. On va venir là. Allez, donne-nous l'une, s'il te plaît. Mais il reprend de la vie, c'est ça que je comprends pas. Fais voir, on envoie ça, mais... J'ai l'impression qu'elle reprend de la vie, la bestiole, là, mais j'en suis pas sûr, en fait. Non, ça va, ça a pris un petit peu de dégâts. Ah ben si, c'est repris, c'est reparti. Attends, comment on peut faire? Ouais, ça me paraît un peu compliqué, là, l'histoire, mais c'est pas grave. Fais voir, hop. On va peut-être arriver à faire quelque chose, mais il faut attendre un tout petit peu. On va essayer de monter niveau 4, en fait, tout simplement, et puis on verra ce qu'on peut faire. Au niveau des combos de lames, je pense, on va essayer de faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le reste, je vois pas du tout, quoi. Allez, hop. Ouais, il reprend des PV, en fait, le truc, là. C'est quand même assez spécial, là. J'avoue qu'il va falloir, qu'on voie un petit peu ce qu'on peut faire. À moins que je sois pas du bon côté, en fait, mais non, on va voir. Coucou mon Melio, comment tu vas? T'es en forme? Bienvenue. Allez, on attend encore un peu, on repasse sur Rock, les amis. Et puis après, on va voir ce qu'on peut faire. De la bombe de vapeur, peut-être, mais on n'a rien pour compléter après. Allez, là on est à blinde. Là on est à blinde, on revient ici. Il faut qu'on arrive à monter niveau 4 en fait pour essayer de faire un truc, mais je comprends pas pourquoi je l'ai pas. Comment tu vas mon Melio, t'es en forme? Alors dites-moi quand on est niveau 4 sur le côté, les amis, parce que du coup, yes papa, c'est le même plan. Alors voilà, on est parti. Allez, on va enclencher un enchaînement, mais donc là on va faire avec Rock. Ouais, on va faire avec Rock. Poppy comme ça. Voilà. Et là, on va prendre Dromak et on va éclater tout ça. Ah, je l'ai pas eu. Tant pis. On a eu l'explosion, mais je l'ai pas eu. Alors, on va reprendre Pyra. Ouais, on va prendre Poppy, celle-ci. Poppy bêta, je pense. Mais du coup, on n'y fait rien comme dégâts. C'est terrible. Hein. Tiens, on va reprendre Dromak. Ok. Ouais, on n'y fait rien du tout, c'est bizarre. Hein. Il y a un truc. Il y a vraiment un truc. C'est ça. Moi je vais attaquer ça. Là. Ok, ça commence. C'est le câble d'alimentation en fait qu'il faut prendre. Je pense. Je pense qu'on y est. Allez, on a compris, on y va. Poppy. C'est ça, c'est Poppy. Non, rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Tout va continuer. Allez, on va continuer comme ça, justement, les amis. On n'a pas d'embranchement, c'est rigolo, ça qui nous est pas donné d'embranchement pour l'instant. Je sais pas pourquoi ils y viennent pas tous là, mais. Allez, on va prendre Pyra avec nous, comme ça. Ok, pour l'instant, écoute, ça y va. Allô ? Yep. Allô, y'a personne au bout du fil ? Attends, deux secondes. Alors, ça l'alimente, c'est ce qui le rend vulnérable. Oui, oui, c'est pour ça que je suis en train de l'attaquer, mon chouchou. C'est justement pour ça que je suis là-dessus. En fait, j'avais bien compris, c'est pour ça que je suis là.
Par contre, là, il nous faudra ça. Allez, hop. On va prendre Rock avec nous. Pas sur du Rock. Ah non, sérieux. Allez. Nia, Nia, s'il te plaît. Nia. Et Nia, chérie, merci. Merci. Dieu te le rendra un jour. S'il y pense pas, surtout tu me le dis. Ouais, là, on a du mal, on s'est trompé de cible en fait, c'est ça. C'est ça qui s'est passé, c'est qu'on s'est trompé de cible. Allez, fais voir. Allez, donne-nous des trucs, exactement. Oh, sérieux. Allez, on y arrive. On va y arriver, les gars, vous en faites pas. Sur un malentendu, ça va passer. Et sinon, on essaiera, c'est pas grave. Hein. Mais là, je vous avoue que. Non. On va retenter. On va se la retenter, vous inquiétez pas. J'avoue, au début, j'étais comme toi. Et ouais, mais je me suis. Ah, zut. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc, garçon? Oh. Allez, c'est bon. Ouais, on est tout en détente. Avec Poppy Alpha, on est tout en détente, les amis. Donc, du coup, on y arrive. Ouais, du coup. Voilà. Ok, c'est cool. Allez, maintenant on est tous dessus. Ça devrait aller un tout petit peu plus vite, je pense. Et puis après, on pourra s'attaquer à Jean-Maurice. On va laisser la quad de ce côté-là. Et on prendra plutôt. C'est l'heure de ta pub ? Laquelle ? N'hésitez pas à aller rejoindre Lionel, frère la galère gaming. Heureusement, il a fait du. Allez, fais voir, on va passer comme ça. On est quoi, niveau 1? Allez, fais voir. Ok, on est bon. Ouais, ça commence à être pas mal. Par contre, on a des blocages de. Allez hop, on va faire comme ça, on va balancer la tempête volcanique. Okay. Allez, on va y arriver les gars, sur un malentendu, voilà, c'est ça la pub, ok, cool, je trouve ça bien. Ouais. Je sais pas, il y a l'autre jour je regardais K.O. et il est arrivé à mettre de la pub sur son live. Mais enfin, ça me perturbe pas, mais ah zut. Mais ouais, du coup j'ai vu qu'on pouvait le faire. Et mais je sais pas si ça fonctionne en fait, j'ai jamais tenté. Alors attendez, on va passer par là, on va essayer d'upgrade un petit peu. On va aller au niveau des personnages, on va aller ici. Et fais voir, est-ce que je peux mettre quelque chose? Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des mélanges de sève. C'est peut-être pas l'idéal, fais voir un peu. Non. Non, j'aimerais un truc qui fasse un petit peu tout. De la barrière, non. Alors, gain d'entente, recharge des arts, ça c'est pas mal. Et on en a 3. Donc fais voir, on va prendre ça. Et on va faire la même chose pour les autres, les amis. Donc ici, on va venir là. C'est pour des cas comme ça où il en faut. Hein. Titan, non. Voilà. Ici. Poppy en plus elle aime bien donc ça c'est pas mal du tout. Et la sève, ouais, on va l'enlever aussi parce que là ça nous donne pas grand chose en fait. Résistance physique, ouais, on va prendre ça. Vraiment ça c'était vraiment pas mal et ça plaît à un peu tout le monde donc du coup on est au niveau des trucs on est pas mal. Est-ce que j'ai quelque chose à retoucher? Alors attends, fais voir, on va aller ici. On va regarder un petit peu dans les menus, mais au niveau des lames, non, tu vois, on n'a pas. Pour l'instant, on n'a pas trop. On va continuer comme ça, puis on verra bien si ça a changé, si ça a changé un petit peu. Pardon. Allez, on y va. Et du coup, on essayera. J'essaierai de vous passer de la pub et vous me direz si ça fonctionne. Je sais pas du tout. Juste, en fait, c'est pour peut-être, tu vois, le samedi, du style le samedi matin, tu sais, quand... Hop.
Ce qu'il faudrait, tu vois, c'est que ouais, que les autres ils soient un petit peu vers moi aussi, parce que le problème c'est que si nous on est tout seul à s'occuper du de là, tu vois, on va partir sur de la chaleur et puis après on verra. Allez, on prend Mime avec nous pour essayer de prendre un maximum de vie. On essaye de voir que ça parte pas. On prend Rock avec nous. Et on va essayer de faire ça comme ça, mais pas sûr. Et salut Beta! Waouh, comment tu vas mon Beta? Ça fait plaisir de te voir. Bienvenue chouchou. Merci, merci pour le coup à boire. Je vais le prendre hein, dès que j'ai 2 secondes 50. On est quoi? Niveau 3, on envoie. Ah, je peux pas, il m'a bloqué, quelle nouille. Allez, c'est pas grave, tant pis. Hop. Allez, on va partir sur de la roche, on va venir ici. Waouh. Voilà. Allez, fais voir. Si on arrive à monter niveau 4, écoute, on balance ce qu'il faut. On balance le bousin, mon cousin. Non, par contre, je suis passé sur Mitra, mais ça me plaît pas. Allez, on va passer sur Mitra. Sur Pyra, juste là. Tiens, à la tienne. Mais ça va très bien, merci. Quel plaisir de te voir, quel plaisir. Merci d'être passé, en tout cas. Alors, c'est un jeu, je suis désolé, il y a beaucoup de choses à l'écran, donc il faut que je sois quand même assez attentif, mais j'essaye de lire le chat régulièrement et de façon... Allez. Viens ici. Voilà, hop. Oh, le one shot qui nous a mis. Et on n'est pas fini là, moi je vous le dis. Hein. On n'a pas fini. Je vous le dis, les amis. Mais ça fait plaisir en tout cas de voir. Ah, Xenoblade, ouais. J'adore. Vraiment, j'adore. Hein. Alors, c'est le 2, hein, mais il est vraiment très bien en fait. Allez, on va essayer de se mettre derrière. On va réessayer, les amis. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Il faut commencer par là. Je pensais qu'au niveau de... Bon. Je pensais qu'au niveau de notre... de nos levels, on était bon. Mais finalement, on regarde pas tant que ça. Parce qu'on a quand même pas mal... On a quand même du mal à arriver à nos fins. Donc on va voir. On va essayer de descendre tout ça. Mais je t'avouerais qu'il est assez compliqué. Et mince. Zut, dommage. Ok, allez hop. Allez, on va partir sur de la roche et puis on va essayer comme ça, les amis. Dès que Pyra elle est là, on va essayer, voilà, de prendre de quoi se soigner, bien sûr. Et puis on va voir quoi. Alors on peut pas sauter par contre tu vas voir que les trucs ils sont passés derrière, tu sais. Mais bon, c'est pas très grave. Allez, s'il te plaît, mais qu'est-ce que ça dure longtemps. On est quoi? On est niveau 3 en plus. Allez, vas-y, on voit. Ok, on part sur celle-ci, mais c'est pas normalement. On aurait dû partir sur autre chose, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On s'est fait un petit peu avoir. Allez hop. Allez, Pyra, déconne pas. Notre entente est pas cordiale pour l'instant. Punaise, qui nous met. Non, on n'est pas level 3. Regarde, on est level 40, ça devrait le faire normalement. On est même level 42, ça devrait... Aïe! Non, zut! Autant pour moi, on vient de se péter les deux jambes, là, les deux genoux, les amis. Non, quand même. Beta, quand même. On n'a pas fait ça. Non, t'inquiète. Allez, on retente. Si on n'y arrive pas, on ira faire de l'XP, mais normalement, ça devrait le faire, quand même. Faut pas pousser mes mains dans les orties. Level 38 et level 36, le problème c'est qu'ils sont deux quoi. Mais sinon. Aïe, c'est pas là, c'est là.
Allez, donne-nous quelque chose pour nous soigner déjà, et puis après... Mais tu vois, le problème, c'est que les soins, ils restent là au milieu, quoi. Et donc, du coup, tu te fais avoir, en fait. Ouais, c'est clair. C'est ça. Allez, hop. On prend de la chaleur, on prend Rank avec nous. On part sur l'embranchement chaleur, bien sûr. Allez, partons sur de la roche alors. Si tu veux pas faire de la chaleur, on va partir sur de la roche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hop. Allez, niveau 3, on est parti. On envoie le bousin, mon cousin. Allez, allez. Allez, on voit même. Allez, on prend Pyre avec nous. Ouais, mais ça reste à l'intérieur. C'est pour ça que ça va pas. C'est parce qu'il faut que je me recule. Ça reste à l'intérieur, en fait. Allez, on prend là. Allez, allez, allez. Mime, mime, mime. Lance, lance, lance. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, les gars. C'est bon. On est bon. On vient là. On va essayer de lui faire tomber un petit peu de vie. Voilà. Ok, c'est parfait. Pour l'instant... Aïe! Mais tu te calmes, oui. Pour l'instant, c'est bon. Allez, une petite roche par là. Ouch. Ouais, là, il fait mal. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est avec plaisir, hein, qu'on t'accueille là, ici. En lieu et place, mon loulou. Par contre, ouais. Vite, vite, vite. Prends, prends. Non, qu'est-ce que tu fais? Ah, je voulais... Ouais, je voulais juste, en fait. En fait, ce que je voulais, c'était réveiller Thora, mais je peux pas. Ah, punaise. Je sais pas comment le prendre, en fait. Je sais pas comment le prendre, les loulous, parce que, franchement, on n'est pas bas en level, quoi. Je vais regarder. Peut-être on va... On va peut-être essayer de faire... Mais punaise, ça m'arrange pas, quoi. Parce que là, avec Poppy, on est bien niveau 42, quand même. Faut pas pousser mémé dans les orties, quoi. C'est pas mal, hein. Là, Brig, ça nous va pas. Et lui, il y a Pandoria. Peut-être ça serait pas mal, Zik, avec Pandoria. Je suis pas certain. Alors, attends, je vais autoriser ces... Attends, fais voir. Mais si. L'app et voilà. Et du coup, ouais, non, ça devrait passer pourtant. Hein. On n'est pas bas en level. Hein. Ça devrait vraiment passer. Est-ce que comment on pourrait faire? Attends, déjà on va venir ici. Ce qu'on va faire, c'est sauvegarder un petit coup quand même. Ça fait un moment qu'on n'a pas sauvegardé. Si jamais il y a plantade, après on sera comme des buses. Mais par contre, au niveau des lames, est-ce qu'on est bon? Centigramme, il est bon. Là, au niveau de ce qu'on a, on a le max. Il y a 299. On peut pas mieux faire, quoi. On peut pas mieux faire. Et là, au niveau des trucs, c'est plutôt pas mal. Hein. Anti-projection, anti-éjection, combo de lame de niveau 1, combo mixte. Fais voir, on peut mettre ça peut-être, combo mixte. Et peut-être dans l'écran numéro 2. Ça, c'est le combo mixte. Fais voir, on va essayer un anti-déséquilibre, une parade de niveau 2. Allez, parade de niveau 2. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a entente max de niveau 1. Par contre, ça, on n'en a pas de niveau 2, malheureusement. Et ici, anti-déséquilibre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, regarde, prendre un anti-déséquilibre de niveau... Ah, punaise, on a un art d'engagement de niveau 3. Alors ça, par contre, on le mettra après. Anti-déséquilibre, tiens, on va le mettre là. Bim. Et on va par contre faire comme ça. Ouais. On va faire ça. On va venir ici. Art d'engagement. Et on va prendre de l'autre côté. On va prendre le combo mix.
Et normalement, normalement. On va regarder pour les autres aussi, parce que est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Est-ce qu'il a, il a un anti-déséquilibre de niveau 2? Tiens, on peut lui en mettre un. Bim, comme ça. Là, on va voir si on peut faire quelque chose d'autre. Combo mix, c'est fait. Art spécial de niveau 2, tiens, on peut lui mettre ça. Résistance à la foudre, on a là, mais ça nous sert pas vraiment. Ouais, on peut mettre ça, hein, remarquer un bim. Ah, mais elle a rien! Elle a rien à deux mines! Alors, fais voir. Bim. Non, attends, je fais une bêtise. On vient ici. Regarde, on avait un anti-blocage de lame. Ça, on va le prendre aussi. Anti-blocage de lame, ok. On va venir ici, 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 ici. Coup critique de niveau 1. Fais voir, est-ce qu'on a autre chose? Soin auto, non. Attaque auto-furtif, bim. Soit auto de niveau 1, ça on va le laisser là. Et puis je pense qu'on va, je pense que c'est bon là. Ça devrait aller un tout petit peu mieux, peut-être, peut-être. Je me transforme en viewer fantôme, c'est vrai. De nouveaux personnages qui m'avantageront plus. Ouais, peut-être. On essaye avec cette équipe-là. Et sinon, on partira avec Vic, peut-être. Zik, pardon. Essayer de voir si, si ça améliore les choses. Parce que comme c'est, de la, c'est une machine, et peut-être, tu sais, avec l'attaque électrique de, son, de sa lame, peut-être ça nous donnera quelque chose d'assez sympa. Donc on va voir, on va continuer comme ça. Mais le problème, c'est que tu vois, avec Zik, on n'a rien, quoi. Mais ouais, effectivement. Alors là, lui... Le câble, il a un problème avec la terre. Donc ça, on peut déjà, tu vois. Il faut, voilà, il faut essayer de se reculer un peu. Et tu vois, là, on est trop près. Donc il faut que je reste, voilà, comme ça. On va partir sur l'embranchement chaleur, bien sûr. Voilà, comme ça. Hop. Allez, on va passer avec Nim maintenant. Et on va faire un petit peu le tour. Tu vois, c'est bien ça, le truc. Voilà. Hop, ici. Voilà. Et voilà. On va s'avancer. On va prendre le truc, mais il faut bien reculer en fait. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire comme ça. Et puis écoute, on verra bien. Écoutez, plutôt. Voilà. Hop. Alors là, on s'est fait avoir. Donc du coup, c'est ça qui nous pose le plus de problèmes en fait. On est quoi? Niveau 3. Ça devrait le faire. Voilà. Allez, il faut qu'on arrive à enclencher quelque chose quand même. Ce serait bien. Alors, on va enclencher une lave de ce côté-là. Il faut qu'on passe par là. Et on va faire une méga éruption juste ici. En espérant que ça le fasse, parce qu'on est déjà vraiment bas en vie, les gars. On est vraiment très très bas. Remont médio. Ouais, je sais, je sais. Écoute, là déjà, on a réussi à faire ça comme il faut. Et après, on pourrait prendre Zik, tu vois, juste pour le juste pour ça. Sinon, comme il est... on est quand même de niveau supérieur, ça devrait le faire. Mais merci, mon bêta. Merci beaucoup. Bon. Sinon, on aurait essayé avec Zik, hein, les gars. Attendez, je prends un petit peu d'eau, je suis désolé. Hein. Aïe. Jim. So this is Jim, leader of Torna. I am Fandana. As envoy of Greater Malthus, I am bringing you the message. Ouais, mais si tu veux, là, on a fait notre équipe pour tourner autour de Tora et de Nia en fait. Je les aime bien moi, je préfère en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que pour les sous-titres, quand t'es en japonais, ça va trop vite et j'arrive pas à vous lire. Et comme je vous lis tout généralement, à part là parce que je vous parle,
Mais du coup, voilà le pourquoi en fait, bêta. Parce que Melio m'avait demandé les voix japonaises, je les ai mis, mais c'est impossible en fait. C'est impossible à vous lire, et si je vous lis pas, vous suivez pas en fait. Vous aimez bien quand je vous lis, en fait. Et du coup, ça va trop vite pour moi, j'arrive pas, je cours après. Ok, du coup, c'est Malos qui l'a découvert, c'est ça? Ouais, mais moi j'ai pas l'habitude de lire aux gens. Enfin, c'est compliqué de lire pour quelqu'un en fait. Comme ça, c'est bien déjà. Et du coup, comme je comprends un peu l'anglais, si tu veux, des fois quand je suis à la bourre, j'arrive quand même à vous traduire et à vous le lire finalement. Alors, la lame la plus puissante de Torma. Nation disparue depuis la guerre. Nation disparue, quand on pense que c'est toi qui l'a coulée. Une lame. La plus puissante, mais aussi la plus bienveillante d'entre toutes. C'est elle qui a arboré la plus puissante. Alors pourquoi, Jin? Si je te disais que tout était de ta faute. Parce qu'ils étaient amis, en fait. Ma faute? Si tu n'avais pas décidé de mettre fin, de te mettre enfin en sommeil, elle serait... Ah, c'est ça alors. Ouais, par contre, lui, il est goldé, il va nous faire très mal, je pense. J'adore la musique, mais vraiment. La musique, elle est incroyable. Sa couleur, on dirait du sang. Attention, ce cristal n'est pas normal. Déposez vos armes. Je suis capable d'inhiber. Puisque vous êtes une lame, vous n'avez aucun moyen de contrer mon pouvoir. Et je crois que si. Alors l'autre fois, c'était... Ok. Ah oui, d'accord. Ok, bêta. Allez, déjà tu vas tomber par terre, la faute à la gravité, pas celle de Voltaire, il y est pour rien les gars. Et bien quoi, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Allez. Allez, on y va. Ah, il est quand même niveau 40, Gino. Allez, on va partir sur de l'embranchement chaleur, bien sûr. On va reprendre de quoi se soigner. Allez, maintenant on passe sur Nîmes. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est passer de l'autre côté. Petite projection des familles qui va bien, les gars. On va prendre Rock avec nous. Ouais, par contre, il nous fait mal, là. On est quoi, niveau 3? Allez, on va balancer. Allez. Zut. Allez, c'est parti. Allez, il va nous faire mal. Je pense qu'il va nous faire très très mal, mais bon. Allez, on part sur une déflagration. Et il faut que je passe derrière lui par contre, parce que sinon, ça va pas le faire. Ah, c'est bien ça, c'est bien. C'est bien si... Eh ouais, je suis pas arrivé à passer derrière en fait. Il est costaud quand même. Vraiment, il est costaud, il est goldé le mec. Allez. Ok. Allez, Rock. On est quoi, niveau 1 seulement? Ouf, ça va être dur. Ça va être très très dur. Aïe. Tu peux pas le chat. Ouais, il va nous faire mal. Il faut qu'on arrive à se soigner aussi souvent que possible. Et pas partir sur la bombe de chaleur parce qu'elle nous va pas. Ah, t'as mémé. Par contre, là, tu vois, pour le coup, on est limite en level. Allez. Fait de la chaleur, on est vraiment limite en level là. Allez, il faut qu'on arrive à soigner les gars. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, petit déséquilibre. Allez, on va prendre Rock avec nous. Non, la bombe de vapeur, non, ça nous va pas.
Allez, allez, allez. Allez, dépêche. Lève. Yes. Yes, papa. Yes, papa, c'est bon, les gars. Allez, le prochain, vraiment, vous savez ce qu'on fait. Déflagration. Allez, c'est parti. Allez, on en est à la moitié exactement. On va passer derrière. Alors, par contre, il esquive, mais tellement... Ah, punaise. Oh. Toute notre santé, elle s'est barrée. On avait pris ce qu'il fallait. Allez, fais voir. Ouais, par contre, là... Alors, on va pas passer sur de l'aqua, ça nous va pas. On va faire de la roche, ici. On va prendre notre copain, là. Et on va essayer de grimper. Punaise, je l'ai plus. J'ai plus le retour de l'écran. Zut. Vite, vite, vite. Punaise. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Allez, vas-y, envoie. Ah là, ça fait mal. Envoie, envoie. Envoie. Allez, faut qu'on prenne de quoi se soigner, les gars. Vraiment. Hop. Ouais, on va y arriver. On va y arriver sur un malentendu. On va y arriver. Allez, on va prendre Rock avec nous. On va tourner un petit peu la caméra parce que c'est toujours compliqué avec lui. Punaise. Ah, purée. Ok, c'est bon. Alors, je le vois pas, mais... Wow, 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 wow. Non, c'est pas grave, il est pas venu soigner. Mais bon, c'est pas l'Amérique quand même, là, je vous avoue, les gars. On est pas bien. On est pas très bien. Mais bon, on va y arriver. Ouais, je pense. Ça devrait, ça devrait. J'espère en tout cas. Il est de plus en plus compliqué à battre. Allez, allez, on prend Rock. Il faut qu'on arrive... Attends, fais voir, on va essayer de se pousser un petit peu. On va rester là. Allez. On prend Pyra avec nous. On est quoi? On est niveau 3 là. Ouais. Ah zut. Punaise, avec ses. Avec son arme là, il nous fait tellement mal. Allez, fais voir. Crevasse, par ici. Allez, on prend Nîmes et on y va, on balance. Ouais. Allez, c'est bon. On l'a, les gars, on l'a. Voilà. Waouh. Waouh. Non, il n'y a pas de soucis, Lio, il n'y a pas de soucis. Ah non, c'est tous les soirs comme ça, Beta. Even so, we can beat him. We just have to work together. I don't think so. Ah. What? Fan. Ah mince, zut. Ah pas trop. Non. Claire. Elle l'a reconnu, je crois. Je crois qu'elle l'a reconnu. Ouais, elle l'a reconnu. C'est ça, Beta, c'est ça. Non. Punaise. Ah zut, alors. Pourquoi tu as fait ça? À quoi ça t'avance? Tu me demandes pourquoi? Alors j'ai une question.
Les lames ont reçu un pouvoir phénoménal de leur créateur, mais sont condamnés à perdre tout souvenir. Pourquoi ? Mais l'accumulation de souvenirs est ce qui permet à l'humanité, non, à toute forme de vie d'avancer, de changer, d'évoluer. Elle fait dodo, c'est ça. Elle fait juste dodo. Les humains ne sont pas si différents. Les humains meurent aussi, oui. Mais alors que la vie de chaque individu est éphémère, les souvenirs se transmettent et vous avancez en tant qu'espèce, en tant que culture. Pourquoi Endol, quand il contrôle-t-il tous les cristaux cœur, pardon, et contrôler la naissance de chaque lame, ils réduisent notre espèce entière en esclavage, nous n'avons pas de culture car Indol en a décidé ainsi. Jin, pourquoi êtes-vous les maîtres et nous les esclaves? Je sais pas, chouchou, je sais pas du tout. Si tu avais vu le dernier état de l'humanité, tu comprendrais. Au point où nous en sommes, je n'ai plus le choix. Mais je crains que votre voyage ne s'arrête ici, les amis. Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Ah, il n'y arrive pas. Ah, je crois qu'il est fatigué, Jean-José. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Hé, hey, c'est maintenant ou jamais. Hein? Qu'est-ce que tu attends? Donne-lui une bonne raclée à cette... saleté. Quoi? Malos m'a envoyé. Il est temps de quitter la scène. Prêt? Qui a dit que qu'on allait vous laisser partir? Vous n'avez rien compris, hein? Tu crois vraiment que c'est fini? Qu'est-ce que... Ouais, ça va exploser. Je pense. Ou pas d'ailleurs. Vous aviez pas coupé ce foutu câble? Certes. Mais il reste de l'énergie au fond de son cœur. Vous ne comprenez toujours pas? Il est semblable à une lame. D'accord. Eh ben. Allez, je vous laisse. Adieu. Bon ben, il va falloir s'occuper de ça les amis et puis après on s'arrêtera là pour ce soir en tout cas. Je pense que maintenant on peut s'occuper de ça vraisemblablement. Alors par contre je vais me placer derrière. Sérieux. On va se placer sur le côté ou derrière et comme ça ce sera mieux. Voilà. Allez, c'est parti les loulous pidou à la crème, on y va, une petite chaleur et c'est parti mon kiki. On est quoi? On est niveau 0 donc il va falloir y aller. Tiens, on part sur de la roche du coup. Je sais pas pourquoi il n'a pas pris Il aime pas l'électricité. Si jamais on n'y arrive pas, écoute, on partira sur de l'électricité et puis sinon c'est pas un problème. Tiens, on va prendre Mia avec nous. On part sur une méga éruption, ok, on peut faire ça, ça peut être pas mal. Allez, on va prendre la tempête volcanique ici, si elle passe, on est bon. Ouais. Allez, fais voir. Allez, fais voir, je vais aller prendre de l'autre côté. Oh. Ah non, c'est passé, tu vois, c'est parti. On va prendre Nîmes. Voilà. On va prendre Tyra derrière. Alors la bombe de vapeur, non. Hein. On va rester sur de la brûlure, bien sûr. Enfin, on va faire monter ça. On va essayer tout du moins. Hop, comme ça. Si jamais il veut bien m'enclencher. Sinon ça va être compliqué. Ouais, on va le perdre. On va la perdre. Allez, tant pis, bombe de vapeur, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave, ça nous évitera de perdre un embranchement en fait, tout simplement les amis. Hein. Je suis pas à 100% pour, mais on va attendre l'explosion de vapeur du coup. On peut faire ça.
un saut d'autodestruction avec avec Pyra, regarde. On va y aller. Allez, c'est parti. Ok, normalement c'est bon. Allez, on repart sur de la roche. Et maintenant on va laisser monter. Et ce qu'on va faire, on va essayer de faire. Si jamais personne ne meurt, ce qui serait bien. Waouh, mais ce qui m'a dit. Ah, mercredi. Loupé. Je vais aller. Je vous avais dit, si personne ne meurt, ça m'a pas laissé enclencher, malheureusement. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Il va falloir regrimper pour essayer d'avoir un niveau 4. Pour lui faire un peu plus mal que ça, mais bon. C'est pas grave, on va y arriver. Petite crevasse par là. Ouais. La roche alors, du coup. Où est-ce qu'on peut se soigner là? Il est où le soin? Il est passé où? Il est passé là-bas. Allez, allez. Voilà, ça soigne tout le monde au moins. Voilà. Allez, c'est bon, on continue. On va grimper, les amis. Ça va recharger tout ça, vous inquiétez pas. Alors, on n'a pas d'embranchement pour l'instant, mais on va passer sur de l'embranchement de roche. Et normalement, ça devrait le faire. Ok, allez, on est parti. Ok, ça c'est bon, c'est fait. On va prendre notre copain ici. On va voir ce qu'on arrive à faire, mais ça doit le faire. Hop, on va aller sur Mitra. Allez, Nim, ça ira pas. On n'arrivera pas à le faire, malheureusement. C'est pas grave, on va grimper encore. Si on peut faire du niveau 4 et après enclencher, c'est pas très très grave. On va essayer de se remettre sur... Allez, on va passer sur de la chaleur, puis on se mettra sur... pourquoi elle est pas partie, la chaleur? Elle est passée ou pas? Je sais pas si c'est passé, par contre. Alors, on est quoi? Niveau 4. Allez, on envoie. Fais voir, on va enclencher un enchaînement. Alors, en premier, on va balancer du Pyra. Voilà, pi, voilà, pam. Voilà, ça c'est bon. Dromac, on va faire ça. Ok, normalement on devrait avoir. Mince, punaise. Ouais, tant pis. Allez, je pensais qu'on aurait un tout petit peu plus, mais pas du tout en fait. Ouais, ça passera pas. Ça passera pas. Il va falloir tout refaire, les amis. Ouais, c'est pas grave. On va essayer de refaire un petit peu ça après. Allez, on part sur un embranchement de chaleur. Ouais. On est niveau 3. Allez, c'est parti. Donne-nous ça. Ah, ta mémé. Ah non, t'es sérieux? Vas-y, envoie-moi. Ah, on va mourir. Je pense qu'on va mourir là, on n'a pas assez. Ouais, c'est ça. Ah, il manque pas grand chose, les amis. Il manque vraiment pas grand chose. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Par contre, ça va être l'heure de faire du mange-mange. On va venir ici. On va sauvegarder tout ça, mais c'était pas mal. Alors, je sais pas si on reprendra de là ou de l'autre côté, en fait. Et je suis pas au bon endroit. Si on reprendra... Ouais, si on reprendra avant Jean ou après Jean, mais on se fera ça, je crois, pas vous dire de bêtises, mais peut-être jeudi, il me semble. Attends, on va regarder ça, je vais vous l'afficher sur... je vais l'afficher sur le live, comme ça vous l'avez.
Yes. On va afficher ça. En tout cas, j'espère que... Ouais, non, jeudi soir, donc demain soir, on se retrouve à 20h sur du Ghost of Tsushima, les amis. Et vendredi, on a autre chose. On a... On fera un petit peu de Mario Galaxy, vendredi, je crois. Et après, on fera un petit blabla et du Scriblio, comme ça, on sera tous ensemble et on pourra partager, jouer, vivre, chanter, rire et danser, bien sûr. Non, je plaisante. Mais en tout cas, au moins, on sera ensemble et ce sera pas mal. J'espère en tout cas, les amis, que vous avez passé un bon moment. Ma compagnie, je vais re-sauvegarder parce que c'est un peu le syndrome... C'est le syndrome Subnautica, la sauvegarde, les amis. Parce que des fois, ça se passe très très mal. Je veux dire Billie Jean, mais bien sûr de son prénom. Et j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, ma compagnie. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures à partir de 20h, les loulous. J'espère vous souhaitez un bon appétit et que vous serez là demain, tous bien en forme. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Merci, bye bye. Ne quittez pas, on va faire un petit raid chez un copain s'il y en a un, bien sûr, en live. Bye bye, ciao, merci, bye. Ouais, Billie Jean, ouais, exactement. Et samedi, bah, effectivement, à partir de 18h30, ce sera du Scriblio et ce sera ensemble, les loulous. Alors, qu'est-ce qu'on a en live et qu'on pourrait raid? Tiens, il y a K.O. qui fait du Super Mario 3D All-Star. Eh ben, je vais vous laisser en sa compagnie. Je vais vous faire plein de bisous et vous dire à très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, va pour du Mario, les amis. Bye bye, ciao, ciao, merci. Ok, bah c'était un très très bon live, merci à tous, n'hésitez pas, allez voir notre ami K.O., restez un tout petit peu, ça lui montrera ses stats, et à très vite les amis, bye bye, ciao.